Ils nous traitent d'égocentriques. Ils nous traitent de fous. Ils nous traitent de violents. Ils nous imitent. Ils se moquent de nous. Ils nous isolent. Ils nous accusent de déranger. Ils nous accusent de mettre mal à l'aise. Ils nous accusent d'offenser les autres. Vous ne faites preuve d'aucune classe! La guerre, c'est avant tout l'histoire de ceux qui ont du... style! Oh, eh bien, je ne vois pas en quoi cela te concerne! Sale fouineur! À ce rythme, je serai maître de tout le côté ouest du pentagramme d'ici la fin de la journée! Et rien! Pas une seule créature dans tout cet enfer de souffrance ne sera capable de reprendre le contrôle de mon empire constrictif! Bon, tu veux un combat, Miss? Je te l'accorde volontiers! À la lisière de la forêt, vivait un lièvre. Il était rapide, comme l'éclair. Et il le savait, il n'était pas du tout amical avec les autres animaux. Il était également paresseux et ne voulait jamais participer aux corvées. Super facile ! Déclara le lièvre. Mais si je gagne, j'organiserai une fête. Et tu devras faire le ménage. Et tu cesseras pour toujours de te vanter. Dit la tortue. Mais tu ne vas pas gagner, stupide tortue! Se moqua le lièvre. Tu sais que je suis le plus rapide de tout le village, n'est-ce pas? Nous verrons, répondit la tortue. Gagner de la renommée tout au long d'une saison dépendra uniquement de vos envies de pirate. Toutes les actions que vous réalisez dans Sea of Thieves vous aideront à progresser pendant la durée de la saison. De la navigation vers une nouvelle île, à la lutte contre de sinistres squelettes avec votre équipage, en passant par le déterrage de précieux butins. Vous gagnerez en renommée pour les aventures que vous entreprendrez et les défis que vous releverez. Tout cela afin de gravir les 100 niveaux disponibles à chaque saison. Et pour les gredins qui en voudraient encore davantage pour leur piraterie, vous pouvez acheter le nouveau Season Splendor Pass. Cette offre optionnelle vous donne accès à 11 récompenses premium du Pirate Emporium chaque saison et comprend également des cosmétiques inédits. Les cosmétiques qui font leur début dans le Plunder Pass resteront exclusifs pendant toute la saison, avant de se retrouver dans les rayons du Pirate Emporium en tant qu'achat séparé. Le Plunder Pass est disponible à l'achat à tout moment de la saison, et toutes les récompenses que vous aurez débloquées si vous avez acquis suffisamment de renommée avant votre achat seront disponibles immédiatement. Alors préparez-vous à vivre vos aventures d'une toute nouvelle manière et à profiter des récompenses d'une vie de pirate! Tandis que nous entamons notre voyage avec la saison 1 de Sea of Thieves.